Attends, je viens d'avoir une idée de génie. Mais oui, attends. Mais suis-je bête? Mais je peux être un... Je sais. Je vais pas lancer les deux sur mon... Oh, j'aurais pas dû faire ça. Oh, vite, 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 vite. On ferme BlueStacks. Ok. Étape 1. On ouvre Alchemy sur le portable. Étape 2. On allume le jeu. Parce que là, on est d'accord que... C'est-à-dire, toi, je farm moi-même. Et ben, ça m'occupe, mais c'est pas forcément le plus gros fun. Ni pour vous, ni pour moi. Soit je lance ta strat ultime du on fait deux choses en même temps. C'est-à-dire que ici, tac. Déjà, avant toute chose, on va prendre ça comme ça. Waouh, idée de génie là. Ali Smart. Tac. On change ça, on va mettre. Alke. Tac. Bam, badaboum, bim bam. Et ça. Revient le jeu. Voilà. Ici, on peut lancer Arc. Et sur le portable, les auto-battles se font. Oh, aïe, aïe. Je me bats sur tous les fronts. Tac. On peut relancer les 5 combats auto. Et voilà. Oh là là. Parfait. Ma stratégie est parfaite. Elle n'a aucune faille. Ah, peut-être créer du lag. C'est peut-être le problème. Mais c'est pas grave. Vu que de toute manière sur l'arc que je joue hors ligne, c'est full safe. Le jeu va se lancer, hein. Il n'est pas encore apparu à l'écran, c'est normal. Juste hop, tac, hop. Voilà. Jeu en noir, c'est normal. Pas ultra concluant là. Toujours un écran noir là. Ah, par contre, j'ai baissé le volume du jeu. Je déconne. Ah! Voilà. J'ai dit voilà, mais y a rien qui apparaît sur le stream. Yes. Ah, voilà. Du coup, auto battle d'un côté, arc de l'autre. Aïe aïe aïe. Non, pas multijoueur. Oh. Non, non, il y a PVP là-dedans. Moi, je me mets pas en danger. Hop, parti. Non, toujours pas. Dégage-moi de là. Voilà, local. De Islande. Ah. Tac. Et voilà, un auto-battle de fait. Aïe aïe aïe. On ajoute à ça le mouchage furtif. Je rappelle que c'est furtif. Comment ça se fait que les poissons n'ont pas de lumière? Je vais faire une électrocution en plein stream. Ah, pourquoi ils sont pas allumés? Bon, c'est bizarre.
Attention, je fais les branchements électriques. Ah ah, voilà. Ça donne un peu de lumière. C'est la journée, les poissons. Voilà. De toute manière, le jeu est en train de charger. Pas comme si... Et ils veulent leur repas du matin en plus. Yes. Hop. Allez, je suis l'esclave de ces poissons. Oui. Bien sûr que vous avez le droit de manger le matin. Ah! J'ai fait tomber le chat! Revenez! C'est bon. Ouf. Safe. Ah, vous êtes pas fait mal. Si. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est avec tous les câbles là encore, hein. Ah, je suis désolé. Je l'ai pas fait exprès. De sortir les charmes magiques. Douleur part, c'est bon. Normalement là c'est bon. Oh, des poissons heureux. Ils sont en train de manger leur meilleure nourriture. Bah oui, hein, quand c'est moi qui m'occupe de vous, c'est la fiesta, hein, vous pouvez manger. Hein. Bah oui, à l'air pas du matin, ça vous connaissez pas, hein, d'habitude. Jour de fête. Ils vont doubler de taille. Ils vont doubler de taille. Raptiloraptor. Alors, on est revenu. Bon. Attends que ça charge un petit peu. Du coup, je rappelle ce qui s'était passé dans la fois précédente. La fois précédente. On a eu quelques soucis de type scorpion. Qui a fait que nous avons perdu notre comment il s'appelait notre Blue Fire, notre pauvre pteranodon qui a été dévoré par des malheureux monstrueux scorpions. Avec moi aussi, hein, évidemment, hein, moi aussi je me suis fait manger par ces magnifiques scorpions. Et malheureusement, en revenant à la base, il y avait un carnosaure, je crois que c'est ça le nom, qui est une brute épaisse, un animal très dangereux, qui avait élu domicile dans ma maison. Et il a malheureusement mangé Miyapabo, notre parasaure, hein, qui repose en paix. Non, c'est pas une araignée, c'est une sorte de gros bestiaux avec deux petites cornes. C'est vraiment... c'est T-Rex miniature. Ouais, du coup, je crois que j'étais de nouveau mort et donc du coup, j'avais de nouveau plus rien. Ça fait que j'étais en train de bouder. Voilà. Hop, on peut être équipé. On a une armure de pteranodon. J'avais tout le stuff pour réapprivoiser un pteranodon. Il faut juste que j'en retrouve un et puis on pourra se renvoler. Je dois aller bosser à toutes. Merci Anko d'être passé. Ça fait super plaisir. Passe une bonne journée. Bon courage à toi. Bon, je vais aller à la chasse au pteranodon. Non. Ah non, c'est l'enfer. Pas de soucis. Allez, rapti. On y va. C'est parti en route. On se fera d'autres bases dans le coin histoire de pouvoir
Pouvoir être tranquille là. Va bosser toi là. Heureux Zeb, heureux. Alors. Oh. Reviens, reviens le trilobite. Partira pas. Pas une brute. On appelle ça de la bienveillance à l'hystérienne. J'ai loupé le poulet. Eh oui, Zeb. Tu sais, t'as rien loupé. Hein. T'as rien loupé, je serais encore en train de faire la fiesta si j'avais eu Eve. Hein. Donc, y a toujours pas de pteranodon dans le coin. Hein. Tiens. Baston! Baston! Voilà, de la viande. Encore? Mais c'est pas vrai! Donc là, c'est Bessoun. On verra, on verra, on verra. Vous pouvez rien face à mon raptor. Ah, un petit est surchargé. Oupsi. Faut dire que j'ai gardé la selle de Miyapabo. Et du coup, Zeb, on a perdu Miyapabo. Hein. Désolé. Je suis désolé, il est malheureusement parti. À jamais. Oui. Oui. Il est malheureusement décédé. C'est sa selle que j'ai ici. Une follow. Non, Zeb. Je suis désolé. Et hey, dodo. Voilà. Tu vas manger. Et voilà! Dégage, jette la selle. Non, mais jamais! Fous de toi! Non, ça coûte ultra cher! Désolé! Genre il a pas. Ah merci. Ah bah quand même. C'est lesquels les meilleurs? T'as fait quoi toi? T'es décru où? Non mais. Il faut lui. Attends. Je te le dis juste après, mais là je suis un peu en. Ah, c'est lesquels les meilleurs berries? Les méjoberries, je crois. Ouais, ça doit être celle-là. Du coup, tu disais. Qui revend le popo d'un dino mort? Le popo. Je sais pas. J'ai pas compris. Compétence d'artisanat à poids, non, ça c'est bon. On peut augmenter de l'énergie et on va pouvoir débloquer des nouvelles choses. Radeau à moteur. Un mégalosaure. Il n'a que 47. C'est un prochain niveau. Regarde, on a Mia 2.0, Mia Pabo 2.0. Tranquille. On l'a remplacé.
Oh, il a plus de vie. Ok, ça passe. Ouf. Ouf. M'a fait peur. Ah oui, c'est vénère, hein, les bestioles, hein. Vite, 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 vite. Ça, c'est pas gentil, ça. Je le sais. Heureusement, il va partir dans ma direction. Allez, presque. Ah, il revient. Vite, 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 vite. Oh non. Je ne bouge pas. Ok, c'est bon. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Vite, 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 vite. Zap, 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 zap. Mais il n'y a pas beau 2.0. Tac. Hop, tu portes le nom de ton prédécesseur. Sois-en fier. Tac. Et maintenant, on s'en va. Vite, 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 vite. Évidemment, combien? 44,6%. On attend encore, hein. Franchement, il n'y a pas beau 2.0, il a quelque chose, hein. Il est plutôt beau, hein. Détecter un ennemi. Avec des ennemis. Sans même le faire manger par contre. Je récupère un peu de vie. Ça m'inquiète, mais ça m'inquiète un peu. Tac. Bon allez, il va récolter un peu de vie. Be right back. Ok, à tout de suite. Il mange. Petit. J'ai peur. Bah, c'est quoi déjà la touche pour mes... Ah voilà. Et venez. Anodon là. Enfin, armure 40,5, c'est pas mal ça en vrai. Level combien moi du coup? 57. Je dois pouvoir récupérer tous les items. Un peu de pétrole en plus, grâce au trilobite. Pas mal. J'ai peur. Me faire avoir des frayeurs comme ça. Hein. Pension encore en train d'augmenter, ça c'est bien. Allez, allez. Allez, allez.
T'as un peu plus de vie, ouais, Rapti. Zeb qui vole. Le Zeb qui vole. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. En route. Diplo de cuisse qui a pop à côté de ma maison, je rêve. Après, voyager sur un diplo de cuisse, ça a quand même de la gueule. C'est vraiment sérieux là. J'en peux plus. Aïe aïe aïe. Non mais à l'aide. Là, et on peut faire le cri du bouger tous. Voilà. Ouf, pteranodon. Niveau poids, il est pas mal. Il vole vite et il vole longtemps. Il est vachement maniable. Hein. Parce qu'il a celui-là, ça doit être un professionnel. Je vais faire monter un peu les levels. En plus, attends. Du coup, j'ai fini ça et je voulais aller voir. Les auto-battles, c'est fini. Mais par contre, je voulais aller voir un truc sur les commandes du jeu.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce délire-là. D'accord. Ok, bon, allez. Attends. Salut Ronan, comment vas-tu? Si ça va. Tac, bon, du coup. Ah, tu m'étonnes, c'est à quel point il est rapide. Littéralement, il est ultra rapide, hein. C'est impressionnant. Tu viens regarder du arc en un ou tu cherches du YouTubing? Curieux. Alors t'es déjà venu et je suis désolé. Hop. Par contre j'arrive plus à freiner. C'est bon, tu peux te poser. Donne un follow et je t'ai. Et je t'ai très mal jugé. Je m'en excuse, mais déjà venu. Ma mémoire, c'est pas. Faudrait excuser ma mémoire. Tac, alors. Et voilà. Level. Salut Over, comment on va? Je sens de la veine. Ouais, je pense qu'on va pouvoir partir dans le Grand Nord. On va retenter la visite du Grand Nord. On va retenter. Allez. C'est reparti pour un tour.
C'est ton jeu préféré? Arc, non, pas spécialement, mais j'aime bien. J'aime bien y jouer. Éviter de se faire. Ah, si. De faire OS. Hein. C'est pas mon jeu préféré, mais de temps en temps, tu vois, il y a une partie dans l'année où je me dis, oh, j'aimerais bien jouer à Arc. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Je me méfie de tout. Hein. Honnêtement, je suis déjà mort du coup une fois en allant vers le nord. Maintenant, je n'ai plus confiance en rien. J'arrive jamais à gérer ma stamina, c'est-à-dire que si jamais là en haut à droite t'as la stamina de mon beau bébé, si jamais elle tombe à zéro, il se met à faire un piqué pour aller se poser. Et donc du coup, si jamais il y a de la bestiole en bas, ça finit mal, disons. Là par exemple, je me mets extrêmement en danger. Des tours, je vais rester safe, je vais me mettre dans des coins, je reste discret. J'ai peur, je me méfie. C'est pour ça que je regarde toujours autour de moi, plus de stamina. Allez. Ça ici, c'est une loot box, donc dedans il y a des items pour Ali. Là je peux le transférer. Et sinon le reste je m'en fiche. Allez, c'est parti. Ouais, je pense que longer la plage c'est pas une mauvaise idée, sachant que au moins si jamais il y a de la sale bête je la verrai de loin. Ah, c'est ce genre de réflexion. Là, mon plan c'est d'aller chercher les loots un peu plus rares qui se trouvent vers le nord de l'île, là où il y a ça c'est vraiment dangereux. Là où c'est vraiment dangereux, les neiges et tout ça. La méfiance incarnée. En route. Là-bas. C'est dans l'eau là-bas. Ouais, là-haut. Il y a un truc qui tourne sur lui-même dans l'eau là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un... D'accord. Pardon. Donc du coup c'est juste une survie de chill, hein. Je suis ni en ligne ni sur un serveur pour l'instant, mais ça va venir. Du coup je redécouvre un peu le jeu. On prend mes marques et je réapprends que ce jeu c'est mourir à la chaîne à cause de bestioles qui arrivent dans ton dos. Hein? Méduse là-bas. Oh. Ok. Et s'il y a plein de pteranodons, c'est trop cool. Qui qu'il faut que je vienne pour aller en capturer en vrai? Bah, tant que j'en ai un, j'en ai pas spécialement besoin, mais bon.
J'ai peur. Quand je suis à côté d'un trou de forêt comme ça, je me dis, il y a peut-être une bestiole qui vient et qui va sortir. Merci, merci Ronan. Je me dis toujours, il va y avoir une bestiole qui va sortir là, qui va venir me croquer. En une seconde, ça peut se finir. J'ai aucune confiance. Ok. Continue de monter. Pour l'instant, je safe. Confiance maximale. Une grande plaine comme ça là. D'ailleurs, un serpent géant qui va me tomber sur la figure là. Je sais pas quoi. Allez, c'est reparti. Vous avez chaud, rafraîchissez-vous. Après, plus tard, déjà, il y a une boîte verte à aller chercher. Ça va être du bon loot. Ah, il y en a des cailloux ici. Waouh. L'endroit il est rempli de cailloux. Hein. Faut que j'entende. Oh, c'est moi qui avançais. J'ai peur de mes mouvements. À l'aide. Oh, il y a un anneau dessus. Tu sais. Qu'est-ce que c'est, composteur? Ouais, non, ça m'intéresse pas. Par contre, faut que tu perdes cette habitude, toi. Et non, ah. Pas vrai. Voilà, tu peux partir. Alors hop, tac tac. Bah, je m'en fiche. Bah, je m'en fiche un petit peu. Là aussi, ça pèse un âne mort. Je vais augmenter mon énergie encore, hein, que je puisse courir à fond. Wow, ça a l'air dangereux, ça. Ça me veut du mal, ça. Ouais, non, mais lui, il est vénère, lui, hein. Oh. On va aller visiter par là-bas. Ouais, je le sens bien. On a là-haut. Oh. Voilà. On a des petits cerveaux. Un petit cerveau. On a gagné des levels grâce à ça. Trop bien. 11. Oh, c'est le meilleur truc du monde. Putain, j'ai gagné tellement de trucs. Il m'en faut encore. J'en veux plus. Il y a encore des choses par ici. Du coup, en plus, on va gagner plus de level dans ce temps-là. Trop bien. Farmer les levels. Allez, vite. Finalement, c'est plutôt tranquille, hein.
Voilà, plus de... de level pour Zeb qui vole. Ouais. Avec deux levels en plus. Encore plus de level, encore plus de XP. Plus de stamina. Oh, y a un croco. Oh, le croco. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? C'est curieux. Là, on a la zone avec le boss. Un diplodocus à pointe. Uniquement blanc et c'est pas atterri, donc clairement ça vaut pas la peine. Faut qu'on se trouve un endroit safe où se poser. Vite, 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 un endroit safe. Je le sens pas, en plus ça on y voit que Pouic. Ah voilà. On est sur la map. Tellement. D'accord. On est vraiment à l'autre bout de la map. Ça, il permet, il peut voler pas mal quand même. Quand même voler longtemps. Oh, ok, je me dis toujours qu'il va y avoir une bestiole qui va me tomber dessus. Je sais pas s'il y a des prédateurs en l'air. Oh. Oh, je te raconte pas dans la sauce dans laquelle je suis. Gagner un level. Encore du blanc et du vert comme Belly, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Côté de l'île, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de prédateurs. Je viens de passer à 300 de vie. Ah. Allez, la partie. Je me rappelle que j'ai oublié de mettre mon ventilateur en marche. Peut-être me poser quelques soucis. Que je tente la grid. Allez, la grid. Il stresse là quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il a un flow légendaire. Hein. Et les mécaniques en plus.
Waouh. Pas classe. Respect. Trop stylé. Oula oui, faut que je lance le ventilo de mon PC. Je vais me poser et je vais m'occuper de ça. Non, on va me faire croquer sur la route. Je vais nous trouver un endroit un peu plus safe parce que là je le sens. Mais pas du tout. On va par là-bas. On va se poser sur le dos d'un diplodocus, on sera bien. Là-haut, on sera bien là-haut sur ce caillou là-haut. On sera à mon aise là-dessus. Voilà. Des bestioles étranges là-bas. Hein. Je les sens pas. Pourquoi je les sens pas? Sorte de d'oiseau avec des griffes là. J'ai 4 points dispo, on va les mettre dans. La vie. Allez. Level 62. Laser, climatiseur, fléchette tranquillisante. Hein. Allez, on va essayer de mettre le ventilateur. Je vais pas me faire attaquer. Pitié, faites quelque chose, Merci Ronan pour le follow. Je vais de ce pas faire les 15 pompes. Parce que 15 pompes par follow. Parce que je l'ai décidé. Tu auras tes 15 pompes comme tout le monde. 1, 2, 8. Merci à toi. Hop là. Oh là là, les 15 pompes qui m'ont fait bien. M'ont fait bien souffrir là. Ouh, j'ai. Ouh. Allez là. Allez, le PC, s'il te plaît. Voilà. Tac. Je savais bien que j'allais me faire attaquer par un truc. Mon instinct m'a réveillé. Tellement bien fait. Tellement bien fait. J'ai tellement bien fait de regarder. Ouais, trop stressant. Ce jeu, il me met des coups de pression là. Chose, hein. Ouf. Ventilo qui veut pas se mettre en marche. Super!
Quand tu veux. Ah oui, bien sûr. Ça apprend à rien. Évidemment qu'un jeu, ça prend de la... Ah! Le fameux, le voilà. Du coup, je vais repasser comme ça. Tac, je vais avancer ça. Et je vais pouvoir vous mettre le micro ici. Alors qu'on entende un peu moins le ventilo qui va être mis en marche maintenant. Je viens de mourir à cause de quoi? Je suis mort à cause de quoi? Qu'est-ce qui vient de me tuer? Vous avez vu? Je suis mort de... Qu'est-ce que... Quoi? Non! Je suis mort du froid. Non! Non! Pas le froid, non! Mais mon pauvre petit pteranodon, mon zeb qui vole! Non! Tranquille, tranquille. Je suis deg. Voilà, on va le faire revenir. Toi. Voilà. Non, Zeb qui vole. Attends, il est jaune en plus celui-là. Il y a un drop jaune, je vais aller le chercher. Parce qu'il y a moyen qu'il revienne ou pas, Zeb qui vole. Genre. J'y crois moyen, mais. Ah, je suis dégueu. Je suis dégueu. Ah. Égoutte. Bon, attends. Hop. Dans le feu de camp. Voilà. Il y avait un loot légendaire quoi, vas-y ça me dégoûte. Quelle idée de vouloir aller loin aussi. Ah. Que j'y retourne en mode YOLO, bah de toute manière je peux pas y retourner sans le pteranodon mais bon. Allez hop, on descend. Ah, j'aurais dû me préparer, j'ai été idiot. Voilà. Voilà. Poil ou laine. Ah yes. J'ai pas du tout galéré à trouver ça. Je vais pas galérer du tout à trouver ces saletés. Après tu me diras une armure en cuir ça peut suffire non je pense. Il me reste du cuir ou pas? Ouais j'en ai de la peau. Hop. Et des fibres. J'espère qu'il va revenir Zeb qui vole. Ah ça me dégoûterait. Voilà, allez hop. Voici, on a tout d'un coup. Pour l'armure en cuir. Voilà.
J'espère que ça protège assez du froid. Je sais même pas. Ah, plein de choses que je sais même pas si mon pteranodon va revenir. Ah, je me dirais, il est pas mort donc. Dans l'idée, il devrait revenir. Dans l'idée. C'est une moto convaincre là, mais. Je vois que tu pouic. Ah, voilà. Ah, il y a des yeux qui brillent dans le nord en plus. Il y a tout ce qu'il faut pour se faire détester ce bestiau. Voilà. Allez hop. On met du bois. On met le métal. On allume. On met des branchages. On allume. Voilà, un peu de lumière. Attends que ça crame. Il m'en restait pas. Ah si, si, il m'en restait. Alors. Pas d'hiver. Mêlée. Voilà. Chercher du métal. Je suis sûr que j'en aurai assez pour la prochaine fois que je remeurs parce que ça arrivera, c'est sûr. Ah, ça, c'en est pas. Oh, je vois que puits dans le noir. Ah. Attends. Voilà. Là, on parle un peu plus. Voilà. Là. De métal. Voilà. On peut faire. Voilà, on va pouvoir courir plus vite, plus longtemps. Voilà. Putain, j'espère vraiment que les petits vols reviendra. J'espère qu'il est pas mort de froid non plus. Voilà. Et tac, on met ça avec. Mêlée. Hache. Tac, on met là. Lécher la marche à suivre. On attend que Zeptrobo revienne. Zeptivol revienne. Parce que. En train de cramer.
On va attendre, on verra bien. Essayer de se faire des armes. Étincelle et charbon. Il faut de la pierre et du silex. Ce que j'ai balancé là-bas va m'être utile. Est-ce que j'ai balancé tout ça? Je sais même plus, non. Bon, c'est pas grave, on va miner du caillou. Putain, hein. On va récupérer du métal en rabat. Pas moi. Ok. J'aimerais trop le voir pop. Ah. J'aimerais trop le voir pop. Attends, du coup, je voulais mettre ça dans le mortier. Attends. Alors, ouais, d'accord, ça me dit pas si les petits vols vont revenir. J'espère que oui, on a vécu tellement de choses ensemble. Ça me dégoûterait. Attends, on va aller revoir. Ok. Non, ça je m'en fiche. Ok. Cherche des infos. J'aurais tellement aimé qu'ils reviennent.
Ah, même s'il est en train de me suivre, il est perdu. Tant pis. Tant pis. Alissam. Alors. Pierre branchage. Et là, il faut une nouvelle selle. Ça dégoûte. Chitine, fièvre et peau. Chercher des fibres. Ok. Chitine, je dois avoir ça. Ah non, je l'ai pas déposé. Je me déteste. Ouais, il me reste un petit peu, mais c'est vraiment pas énorme. Pas assez de peau. Pas assez de peau. J'ai assez de peau. Tout juste, normalement. Ou pas. J'ai même pas d'armes, je viens de réfléchir. Reviens. Wow. Ça grimpe bien. Désolé. Et sur le besoin. Merci bien. Voilà, on est revenu. Voilà, 774e fois. Alors. En tout cas, Arc, c'est un test de patience. Faut aimer être patient. Bon. Ok, on peut augmenter la vie. Allez, beau avoir de la vie, ça n'a pas suffi quoi. Pour se faire des nouvelles bolasses. Je vais me faire une petite lance nulle. Branchage, fibre. J'ai la peau. Pas de branchage. Non. Ah,
On charge. Voilà. On fait deux. Cinq, six, sept, huit, neuf. Voilà. Je mettrai quand j'aurai une armure. Tac. Si moi j'ai une narcotique. Oui, il m'en reste. Voilà. C'est des narcotiques, pas. Normal. Et un pack bleu qui va tomber à côté, trop bien. Très bien qu'il y a un bon item pour se protéger du froid dedans. Clin d'œil, clin d'œil. Tac, tac. C'est parti. Du coup, alors. Ok, on va faire comme ça. On va partir de l'autre côté de la map, je pense, avec le prochain pteranodon. Ça fait peur, toi. On va faire des frayeurs comme ça. Alors, du coup, je voulais aller voir. En chitine, veste de camouflage, piège narcotique. Ah, c'est après l'armure. Charge de C4. Un broyeur industriel. Broyer des ressources. Eh, mais punaise. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, c'est pas ouf, hein. Non, genre pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Ça va aussi pas mal. Je t'ai vu le ptérodactyle. Pteranodon, je comprends. Alors on est coincé. Bête ça. Allez au dodo. Merci. Non mais... On prendra. Eh ben, quelle galère. Quelle galère. Je le répète, hein, mais c'est l'enfer. Hein. Transpondeur, c'est quoi un transpondeur?
Oh, Pog! Oh, il m'en faut un. Oui. Oui. Je le veux. Les yeux d'or, casque de mineur. Mais casque de mineur, eh bé. Plateforme pour arme en métal. Ah mais c'est là le stuff en métal, j'avais pas vu. Il me les faut. Protection. Ah, protection quasi nulle contre les éléments. Ah yes. Ça aussi je veux bien, ça aussi je veux bien. Bourde en polymère, pistolet à peinture. Lampe tactique. Radio. Bon, la radio, on va pas déconner non plus. Ça, j'en avoir besoin de toute manière. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ouais. Ouais, ça aussi j'apprends. On va tout apprendre. Hein. Non, j'ai rien à faire en attendant donc. Parti l'essence en électricité. Ok. Voilà, chaîne métallique. Eh ben punaise. Tiens, l'arc industriel là, il doit être bien vénère. Combien? 52%. Nickel. Ok. Du coup, on va retourner voir ça. On va aller voir. Qu'est-ce qui est la meilleure protection contre les éléments? D'accord, donc en cuir c'est pas mal. Il rentre des fois tant qu'il est au sec. D'accord. Il faut de la fourrure, des poils. Ça on en a pas en fait. C'est le souci. Voilà, après voilà, c'est clairement pantalon en cuir, c'est le meilleur pour se protéger du froid sur la montée. De toute manière, je compte pas aller au froid, je me fais pas avoir deux fois. Oh, il est stylé lui. Le légendaire. www. Zeb qui vole, mais numéro 2. Tac. Voilà, on va t'équiper d'une petite selle. J'ai ici. Allez, en route. Bon, étape numéro 1, farm un peu les levels pour faire monter.
Voilà. Oui, très bien. Allez. Allez, demi-tour. Voilà. Allez, on continue. Il vole moins vite que son prédécesseur, hein. Tiens à le signaler. Hein. Performances sont décevantes. Numéro 2. Mais il est à vitesse. Il a combien de vitesse? Il est censé avoir la même vitesse, mais j'ai l'impression qu'il est plus lent. Normal. C'est une question de level, je sais pas. C'est une question de level. Ok, sa stamina se régénère. Que tu voles plus vite et plus loin. Ouais, ça suffira, je pense. On va faire passer 200 XP, voilà. M'en suis. Désolé hein, Zeb, hein. J'ai perdu le premier Zeb qui vole et est parti loin dans un pays lointain au milieu des neiges. Eh oui. Le numéro 1 restera dans mon cœur pour toujours. Alors, du coup, on va aller par là-bas. Oh, tu me diras, ils volent quand même plutôt vite. Hein. Après, niveau stamina, il est un peu en déchet, hein, quand même. Ouais, Zeb qui vole, comme tu dis. Il va me manquer, je te le dis. Il va beaucoup me manquer. Mais t'es beaucoup attaché à lui. Ok, on va se poser sur le caillou. Et je voulais aller voir. Du coup, le froid, je ne m'en approche plus. Je voulais aller voir. Alors. Tac. Pour l'instant, je suis safe. C'est une bonne chose, ça m'arrange.
Bon, voilà, allez hop. On est reparti. On verra bien, on va continuer de loot, on va partir vers les. Vers les zones dangereuses. Avec un peu de chance, on retombera sur Zeb qui vole numéro 1 en même temps. Ce serait un rêve éveillé. Mais je n'y crois plus, je ne crois plus au miracle. Oui, bon. En route. Il est encore en vie. Oui, 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 il est encore en vie, mais il est juste. Il est juste dans les glaces parce que je suis mort de froid. Je suis mort de froid. Dans un. En arrivant vers le nord. Qu'est-ce qu'on a? T'es. Hop. Toi qui est mort, oui, 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 non, mais lui il a une peau, il a une peau plus dure que la mienne. Hein. Moi j'étais bon pour mourir de froid. Et du coup, j'ai fait une armure en cuir et tout ça, ça ne se reproduira pas. Va le sauver, bah je vais faire le tour de l'île, donc je pense que je l'aurai, je le retrouverai sur le retour. Je le retrouverai sur le retour. C'est promis, j'irai le chercher. Je ne le laisserai pas seul. Je le jure. Je vais encore me faire manger par les piranhas. Fasse gaffe, en me posant. J'ai plus de stamina, il va encore me faire un piqué nul. C'est bon. Ouf. Ok, on est prêt à repartir. Et c'est reparti. Il y en a pas mal ici des pteranodons. Bon plan pour aller en chercher. Il est énorme lui. Ah non. Wow! Putain mais... Wow! Bonjour, je fais la taille d'une falaise. Oh, il est énorme! Oh non mais il est tellement énorme! Oh! Je vais prendre un coup de patte. Je sais même pas ce que ça mange. Je sais même pas ce que c'est. Putain, mais il a des cailloux sur lui. Oh, yo, yo. Ah ouais, il est... Oula, oula, là. Ouais, si ça se trouve, le truc, il va me donner un coup de patte. Je vais valdinguer à 15 km. J'en retrouverai un autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces petites bestioles là, je les avais pas vues depuis le début. Et capture-le. Un peu gros, hein. Déjà, affronter des trucs de ma taille, c'est complexe. Hop, je me fonds dans la... je me fonds dans la masse. Crou, 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 je suis... un petit ptérodactyle. Hop là. Et là je me casse. Oh non. C'est un... c'est un carno. C'est ça qui m'a tué. C'est ça qui m'a tué l'autre jour. C'est lui là. C'est ce truc là, là. Ça donne un coup de boule et ça y est, tu vas le dingue à 15 km.
Merci Taker pour le follow. Pas eu de notif. Bizarre, mes notifs stream elements marchent pas. Pas bon signe. Non, non, je vais pas aller me poser là, je vais aller me poser là sur le caillou. Je serai relativement safe. Ah ouais, non, mais t'as vu comment il a dash sur moi le bestio? Non, non, lui il voulait me croquer. T'inquiète pas, hein. Lui il savait très bien ce qu'il cherchait. Hein. Hop, allez les 15 secondes de follow. Une, deux. Aïe. Je te remercie du follow et je repars vers le nord pour aller chercher du loot de meilleure qualité. Il y en a des bestioles par ici. Wow, putain, mais ils sont fat ceux-là. Y'a des crocos. Y'a un escargot. Ok, il faut que je me barre. Cet endroit, tout indique le danger. La mangrove là, tout indique danger. Et en fait, c'est où que je me pose? Y'a un serpent. Oh punaise. Vas-y, je vais voler en... Je vais voler en mode danger. On va falloir que je trouve un endroit où me poser, donc je vais pas... J'utilise toute ma stamina et que je tombe dedans, je vais pas m'en sortir. Ouais, garde tes levels, le pteranodon. Là. Parce que là, on est en danger. Hein. On tombe là-dedans, moi je viens pas trop chercher. Hein. Lentement, mais sûrement. Allez. Allez. Ah mais il y en a partout là, il y a un serpent à gauche, un serpent à droite. Allez, on peut repartir à pleine vitesse. Il y a des serpents en haut aussi. Je me pose où moi en fait? Question comme ça. Je me pose où en fait? Le danger il est partout. Bon, je vais essayer de me poser là malgré le fait qu'il y a un serpent juste devant. La confiance n'existe pas. Ça c'est sale bête là, ça t'injecte un venin et tu te mets à dormir après. Et il te croque. Il te croque, fin de l'aventure. Pas méchant vous, non c'est bon. Oh ça m'a l'air pacifique. Quand tu... oh. Heureusement qu'il y en a des pacifiques. Salut. Encore des attaques par là-bas.
Tu sais qui attaque là-bas? Oh, c'est un cardo. Ok, je m'en vais. Ça ne me regarde pas. On va continuer de longer la plage, c'est bien les plages. Bien de se poser sur les rochers, je me sens en sécurité ici. Ah, l'air marin. Vas-y, on va monter le level du petit pteranodon. Là. Allez, en route. Normalement, je devrais éviter la zone de neige, donc aucun risque que j'ai des problèmes. Moi, les problèmes qui m'effraient. Aïe! C'est sérieux là? Vraiment de me voler de la viande là le truc? Blague! Il y a deux requins qui sont en train de s'attaquer à un truc là-bas. Oh. Ça a pas fait long feu. Je sais pas ce que c'était, mais ça a pas fait long feu. Allez. On continue. Une sacrée île quand même, hein. Non, moi je pourrais pas vivre à l'intérieur de la forêt, y'a trop sombre. Bon, ça me fait flipper, hein. J'ai l'impression de rien voir dans la forêt. Ah, vraiment. Et regarde, un T-Rex. Regarde ça, il fait pas un bruit en plus, hein. Ah, mais ça tombe dessus pendant que t'es en train de faire ta maison. Non, mais à l'aide, hein. Faut pas vivre là, moi. Retour des gros requins. Non, mais là on est bien là. On sent bien, il y a des petites falaises avec des herbivores. À la limite, il y a les requins qui sont dangereux dans le coin, mais c'est tout. Je me sens à l'aise ici. Je vais tenir mon loot tranquille, tranquille ou bilou. Si ça m'existe dans 5 minutes, je serai réapparu à mon lit parce que je suis mort. Grande chance d'arriver, hein. Ça va être grande chance d'arriver. Même beaucoup trop de chances d'arriver. Il y a une île là-bas. Voilà. On est reposé au sol là. Bon. Est-ce qu'on tente d'aller sur l'île? Où est-ce qu'on est là? Pas mal. Nulle part. Ok, super. Je pense que je suis au nord-nord. En haut à... Ah là là, il y a des bestioles dans l'eau. Je dirais en haut à droite de la map. Monte tes gammas si t'es trop sombre. Ouais, ouais, ouais. Merci, TK. J'ai déjà monté un petit peu. Mais en fait, ouais, ce qui me fait plus peur dans la soirée que le sombre, c'est l'idée qu'il y ait des bestioles qui peuvent apparaître de partout, quoi. Genre, ça me... Je suis à tellement me refroidir. Mais ça, je les ai déjà montés, mes gamins. Là, je suis déjà monté à 3 en pleine journée et ça me permet de voir clair la nuit. Même si j'aurais pu supprimer la nuit, mais je l'ai appris trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ouh là là. En train de se bastonner sévère là-bas. Par contre, il y a un drop légendaire là-bas et ça, j'aimerais bien aller le chercher. Plus encore, je kifferais aller le chercher. Il y a de la bestiole dangereuse dans le coin ou pas? Je
On sait rien du tout. Il y a un gros truc volant. Il y a des T-Rex. Beaucoup. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, on se casse. Reviens. Hop. Ni vu ni connu. Oh, les griffons. On va attaquer ça, non? Oh, c'est pacifique. Pacifique, hein. C'est pas pacifique. Île de carnivore, d'accord. Bon bah... pas le bienvenu, c'est ça que ça veut dire. Ah, ça, il m'a pas poursuivi. Ouais, du coup, il y a pas mal de T-Rex, Carnot, et puis voilà. Ouais, d'accord. Mais il y a du bon loot. Du coup, j'ai obtenu quoi? J'ai obtenu une lance à 108 de dégâts. D'accord. C'est pas forcément le meilleur. Mais bon, tant pis. Du coup, dans la montagne, il y a un drop violet et ici il y a un drop bleu. Que j'essaie d'aller vers la montagne. Je pourrais essayer. Je pourrais essayer. On verra bien. On verra bien ce qu'on y trouve. J'ai confiance. Oh, par contre la stamina. Il y a une île passif. Ah ouais? C'est celle en bas à gauche? Celle en bas à gauche, non? Là j'essaie de, d'obtenir les meilleurs supplies. Donc, j'ai dit que le mieux c'était d'aller au nord. Parce que bon, ça me semblait logique que là où il y avait les ennemis les plus dangereux, on trouverait les meilleurs loot. Donc je sais pas. Après j'ai déjà vu des drops violets là-bas, mais... ouais. Du coup je suis allé sur l'île là-bas. J'ai obtenu un plan pour une... une lance un peu plus puissante. On va essayer de monter et aller chercher le violet là-bas. Je sens bien. Ça ne peut que bien se passer. Il vient de disparaître. Je suis deg. Il vient de disparaître à l'instant. Je suis dégoûté. Du coup, je perds pas de vie malgré le froid. Déjà, première bonne nouvelle. Il y a un lion. Il y a un guépard. Il y a des bestioles bizarres. Encore vous? Mais non! C'est pas vrai! Ok, donc on a du bleu par là, du blanc ou du jaune? C'est du jaune là-bas? Non, à droite l'île, d'accord. Elle est à droite? Ah oui, d'accord! Ok, c'est celle-là. Ok, ok, je vois. En dessous de mon point maison. Ouais, oui, ok. Ok, ok. Assez monté en haut en vrai. Un meilleur visu. On aura un meilleur visu.
Il y a encore des guêpes, des guépards. Et non, c'est raté. Et tu tombes. Oui. Ah mince, j'ai faim. Tac. Il me restait à manger. Oui. Voilà. Et donc il y avait du jaune là-bas. Est-ce que je fais le voyage pour aller chercher en vrai un loot légendaire? Ça serait peut-être pas mal quand même. Attends, il y a un violet qui vient de pop là-bas. Uch. On va déjà faire c'était dans le coin. Le reste on verra après. Du coup F. On augmente la stamina. Ah. Mais oui, t'avais raison, hein. T'avais raison, Taker, c'est bien à droite, l'île. Ok. Allez, uch. Du coup, j'espère qu'il n'y a pas de bestioles autour. Dites-moi qu'il n'y a pas de bestioles autour. On va espérer. Il faut plonger dans les feuilles. C'est pas ce qui t'attend en bas en plus. Qu'est-ce qu'on a? Sérieusement? Mais à l'aide. Deg, c'était pas fou. C'est vraiment pas fou du tout. Wow. Ça fight, hein. Moi, je ne m'implique pas. Je vais prendre le contrôle du haut de la montagne. On va faire un deuxième bastion. La Alitown 2.0. On est bien là. Ouais, du coup tu vois la nuit on voit quand même sacrément mieux. Donc on m'a dit d'augmenter le gamma, sinon j'aurais vraiment passé des nuits en enfer. Oula, oula, oula. Le problème c'est que si jamais j'essaie d'aller là-bas, là où il y a le drop jaune, je sens que il va disparaître avant que j'arrive. C'est trop longtemps que j'aurais dû y aller. Ah, des hurlements de loup. C'est loin. C'est loin, c'est loin. J'hésite. J'hésite, j'hésite.
Je vais plutôt attendre le prochain repop de... Prochain repop et puis on verra bien. On va tomber sur un... Sur un autre légendaire dans le coin. J'avoue que j'aimerais bien avoir une petite arbalète ou un petit arc comme ça. Ça arrangerait bien. J'ai pas envie d'aller dans les cavernes parce que les cavernes c'est un traumatisme. Les vrais savent. Clairement, les bestioles rampantes avec 626 pattes qui te... qui t'injectent du venin, qui te font dormir et qui t'éliminent à petit feu, c'est horrible. Jamais je revive ça. En attendant. Hop. Ah, donc là je pense que je suis sur la montagne en haut à droite. La partie des neiges du coup c'est toute la partie haut à gauche. La partie centrale je l'ai complètement snobé. Je l'ai complètement snobé parce que ça me faisait peur. Ouais. Attendre, je crois que il n'y a plus de nourriture toi. Je remets. Et bébé bleu. Voilà. Mange un peu. Mais non, mais il mange de la viande, qu'est-ce que je fais moi? Je suis trop frais. J'essaie de le nourrir à la... Il se nourrit à la viande, c'est pas bon signe. Je trouve une petite bestiole à affronter. Ah, 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 ah. Nouveau ça, violet là-bas. On y va. C'est parti. Allez, attaque de nuit. C'est parti. Il pose avant de faire son envol pour traverser. Ah, mince. Oh purée, pourquoi j'ai fait ça? Oh punaise. Il y a des scorpions. Je suis tellement pas bien. N'existe pas. Je n'existe pas. Plus jamais. Oh, plus jamais. Je veux jamais être à court de stamina. C'est un traumatisme. Salut, Matt. Comment on va? Vous avez froid, mais non. Allez, faut que j'aille chercher. J'aille chercher ça. Ah non, mais il y a des scorpions là-bas. Sur la route du retour, je peux payer les DLC. Nice. Et de retour vers quelle heure? Du coup, juste. T'es en solo? Ouais, je suis en solo, je joue en solo pour l'instant. Je me refais mes marques sur le jeu. Je redécouvre les joies de mourir lavé par des dinos que j'avais même pas vu. Un pur bonheur. Mais de toute manière, je suis pas très sérieux parce que je sais bien que ça c'est une survie test pour l'instant. Vu qu'on va aller sur le serveur et tout, donc...
éviter de se faire graille. On va passer sneaky sneaky. Ça va passer nickel. Il y a deux carnots autour. C'est ce que je dis, ça va passer nickel. J'ai été gentil en parlant de deux carnots, il y en a quatre. Ajoute à ça des scorpions. Des raptors. Ouais non mais là ça m'a l'air parfait, là je me sens dans mon élément. Vers 18h vu que j'ai des courses à faire mais je rentre. Dès que je rentre je mets le DL en route. Yes. Ils veulent tous ma peau, c'est super. Je me sens grave en confiance. Ah, tu l'entends lui? Bon. Stratégie numéro 1. On fuit. Non mais regardez-moi ça. Non mais à l'aide. Comment tu veux en fait? Comment tu veux aller le chercher? Le carano qui veut ma peau approximativement à fond. Quoi là-haut? En train de se battre. Pas il plaît à l'arc là, ouais, je sais, je sais. Je sais, je sais. Et T-Rex là-haut. Non mais comment je peux aller chercher en fait? Si jamais je me pose, je vais tellement dead. Ils sont autour en plus là. Toujours pas pour venir sur le serveur. Bah je sais pas. J'en sais rien. Je peux même pas aller revoir. Attends. Tac tac. Attends. De toute manière, tant qu'on n'a pas l'IP, j'ai rien à leur dire non plus. Ouais, s'ils veulent jouer, ils le diront. Ils le diront. Ouais, la POC. Bon, du coup, je peux toujours pas aller loot, moi. Hein. En train de tourner autour, un truc de fou, quoi. Ça pour un vieux truc nul, je le sens en plus. Un scorpion en plus qui tourne autour. Mais vraiment, c'est son précieux quoi. C'est au secours. Je peux pas genre dégager. Je dis ça comme ça. Hein. Il y a le groupe de trois carnots là, eux si jamais ils me touchent, je suis tellement dead. Faudrait que je réussisse à les attirer loin. C'est que va-t'en attirer des... Allez. Salut. Salut, c'est moi, Ali. Ouais, ça a grave bien marché là, je... Je les sens tous attirés là. À part le raptor qui pue. Ils ont pas l'air. Wouah, ils courent super vite. Allez hop. On monte en l'air, on perd l'aggro. On grimpe sur notre caillou. Alors, analyse tactique. Tu les... Non mais mec, j'ai rien. Je vais pas aller les attaquer en mode coucou. Salut. Je vais vous attaquer au corps à corps et je vais mourir en trois coups de dents. Alors là... Honnêtement, il y a un scorpion qui me touche, je m'endors, il y a un carnot qui me touche, je meurs,
Il y a un raptor qui me touche, je tombe de la monture. Ah là là. Mais l'enfer la nuit sur cette île. En plus de ça, t'as le level pour ouvrir le drapeau. Ouais, j'ai le level pour l'ouvrir, mais... En plus de ça, ça va me faire lag, hein. Moi, j'ai aucune confiance. J'ai zéro confiance. Pousse pas là, malheureux. Ah mais ça nage en plus hein, cette atrocité là. T'es coincé? Tu serais pas coincé. Ah! Il est passé où? Ah 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 oh oh oh. Bon bah... Bon bah rip. Rip 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 le pack. J'en suis sûr, c'était que du loot nul. Alors... Du bleu, du violet là-bas, du vert. Là que le jour se lève. Lui, il me le faut. Il me le faut. Il me le faut absolument. Le problème, c'est qu'on est dans la zone des... Bah, il y a deux T-Rex, quoi. Il y a deux T-Rex, j'ai pas besoin de mots. Après, tu me diras, ils vont faire le ménage. Hein. M'inquiète pas. C'est des T-Rex ou c'est des giga machin truc? Ouais, je pense qu'ils en ont peut-être rien à faire de moi non plus. Magicus disparitis. Lui, il m'a repéré. Non mais tranquille hein, je suis safe. Je dis ça, tu sens le manque de confiance dans ma voix quand j'ai dit ça. Non mais au secours. coucou Zeb. Non mais tranquille, full safe. Le jour se lève. Lui il veut me croquer. Lui je vois ses dents là. Elles sont pour moi. Pteranodon, c'est fait pipi dessus. Il a gagné un niveau. Super. Sans son moyen d'intimidation. Ça ne marche pas avec moi.
pas la peine de crier, hein. Ça changera rien, hein. J'ai les DLC dès que je rentre chez moi, j'ai, puis je pars en course. Yes. Est-ce que je me mets en danger pour les abonnés? J'avoue que je déborde pas de confiance là. Bye bye ces petits vols 2.0, merci. Non mais à l'aide, tu vas pas me chase toute la map toi. J'ai bien compris, hein, j'ai bien compris tes réclamations, hein. Ah, il y a le petit frère. Ah. Mais écoute, on est bien en haut ici, hein. Finalement. Finalement. Pourquoi vouloir partir? On est si bien ici. Non mais regarde-le, lui, il est prêt à venir me croquer. Regarde! Ah! Non mais à l'aide, à un moment, tu vas me lâcher, oui? Autant de voir ton pote. Regarde-le, il est bien là, il est sous son caillou là. Il saoule personne. J'irai dans la mer, vous pouvez pas nager. Je dirais que ça sait pas nager. Encore. Oh, il y a une grotte ici. Victory. Je bouge plus. Je bouge plus. Ah, je bouge plus. Je me casse. Je veux plus vous voir. Tout ça pour un loot qui est vraiment pas fou, hein, je pense. Parce que ça ne valait pas tous mes efforts. Je n'ai pas été récompensé. Allez, on va aller voir l'autre. On va aller dans une zone encore dangereuse. Il faut que je traverse la mer, donc je vais pas trop faire le mariole. Ah, les scorpions, je les déteste. Pas ça. T'as eu quoi? J'ai eu... un pantalon en chitine. Voilà. J'ai eu un fut. Et j'ai eu un pantalon de camouflage. Voilà. Enfin, un schéma de pantalon de camouflage. C'est-à-dire que c'est même pas le vêtement. Bon, c'est mieux que si jamais ça avait été un vieux truc de construction tout naze. Mais bon, voilà. Éternel insatisfait. Hein. Allez, oh, y a une remonta là. Trop stylé. Quand tu te déplaces en manta, ça a quand même une autre gueule. Hein.
tombe pour le froid, par contre dans les marais tu meurs de chaud, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? The Golden Crate. On est dans l'endroit paisible. The place to be. Ouais, franchement, c'est stylé comme endroit. Hein. Ouais, il y a des trucs qui tombent du ciel. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais jamais dû faire ça. Viens là. Viens là, on se casse. On se casse. Pas gagné. Hein. Il est en train. Non! Il est bloqué! Ah! Je sais pourquoi. Je rejoins le cerf de peau sur mon PC. T'es enragé des quatre pattes et du museau avec eux. Hein. Ça devient une obsession. Hein. Si jamais ils veulent pas jouer, ils jouent pas. Chalicotherium. Chalicotherium, ouais. Ouais, ouais. Ah, il peut pas porter de poids que ça. Viens là, toi. Par hasard là, allez viens, on va discuter tous les deux. La rapidité légendaire. Allez, monte de level, voilà. Et hop, nickel. Qui va venir, ouais. Oh. Oh. Hey, hey. Ah. Et là, j'ai combien de poids sur moi? Tu as combien? Tu as 94 sur 260. Oups, c'est pas voulu. Et là, lui, il est à combien? 114. Faut savoir, faut voir les configs, ouais, ouais. 200, ça pèse 2. 35, ça pèse 35. Ah, punaise. Par la casquette là. Honnêtement, une selle d'un truc que je... Ouais, ouais, allez hop, on se casse. Tu m'as saoulé toi. Quand tu parles des configs du serv, tu parles de... De ce qu'on met comme stat et tout, c'est ça? Là où c'est le Pteranodon tier 2 là. Il est pas pareil. Il a une grande crête et tout. Il a trop la classe. Il se pose jamais. Je crois qu'il se pose jamais. Il y a du violet là-bas. Vas-y, on y va. C'est parti. Oh, le Pteranodon, il a faim. J'ai rien à lui donner. J'aurais trouvé des dodos, mais... Y'a pas de dodo dans le coin.
Il y a des manchots, j'ai trouvé des manchots. On va le nourrir à coups de manchots. Et nul. C'est rouge. Je veux le rouge. Je parle du taux de drop et de la map. Ah d'accord. Ok. Du rouge là-bas, je veux du rouge, je veux du rouge, je veux du rouge, je veux du rouge. 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 Ouais, je sais pas, on verra ça sur le moment et puis au pire on changera. Ah! Je veux le rouge. On va me trouver un dodo gratos là. Petit. Viens voir Ali. Allez. Je ferai pas de mal, c'est faux. Je vois si... On va attaquer un martin pêcheur. Viens là, viens pour voir. Voilà. Chasseur moi. Chasseur, je fais des vrilles et tout. Trop swaggy. Là, par contre, il est en train de faire son meilleur repas là. Il fait son meilleur repas le pteranodon. Non là, il y a du rouge, il n'y a pas d'excuse là, ça va être du loot de fou. Pause manger, bon appétit Zeb. Bon app. C'est roux. Un diamant d'innocence. Je le veux. Je vais me faire graille. Ça va être l'heure du repas aussi pour les dinos. Oh non! C'est un châtiment divin. Ah, je suis deg. Rendez-moi mes rêves et mes espoirs. Oh, je suis anéanti. You've got debated. Je voulais aller voir du coup. Oui. Voilà. Bon, il y a quand même un violet qui tombe. Appeler ça une modeste compensation. Ça bug, j'ai pas entendu si tu as répondu par rapport au config serveur. Je te disais que on gérerait en fonction de nos besoins, enfin. Je veux dire là par exemple
prends la stamina des dinos. Je me rappelle que quand on jouait sur notre serveur et tout ça, on n'avait pas à galérer avec à se poser toutes les 5 secondes, alors que là, honnêtement, je te jure, c'est un cauchemar. Hein. Un véritable cauchemar. Un véritable cauchemar, j'ai obligé de me poser toutes les 2 secondes là pour qu'il retrouve sa stamina, notre dino. On va faire une écho. Mais oui, mais ça, c'est normal, je veux dire, ça m'énerve. Je veux pas passer 20 ans à... Je veux dire, moi, raccourcir la partie chiante d'un jeu le plus possible, c'est ça qu'il me faut à moi. Hein, je veux dire... Moi, ce que je veux, c'est du spectacle, je veux du combat, je veux du... Je veux dire, la partie où tu attends que ta stamina remonte, c'est chiant, genre... D'ailleurs, c'est augmenter la durée de vie d'un jeu, c'est tout, quoi. Moi, qu'un jeu, je le fasse en une journée ou en 4 jours, je m'en fiche. Hein. L'important, c'est que j'ai apprécié ce que j'ai fait, tu vois. Et moi, ce que j'apprécie pas, c'est d'attendre posé sur un caillou que ma stamina remonte. Oh non, mais vraiment, il fallait vraiment qu'il y ait un T-Rex là-bas et qu'il y ait un chef raptor, mais vraiment, quoi. J'ai toutes les chances, hein. Au secours, il tourne vraiment autour de la supply. C'était sûr en fait. Ok, j'ai peut-être moyen de m'en sortir là. Quand tu perds l'aggro sur moi en fait, je te demande ça vite fait. Je dis juste à titre informatif, c'est juste pour me poser la question. Il y a plein de bestioles intéressantes à manger, hein. Il y a un chat là. Allez, tu perds l'aggro quand ça t'arrange quoi. Non mais... à l'aide. Évidemment, lui aussi m'a repéré. Encore une selle, mais c'est pas possible. Celle de quoi? Par chirinosaure, mais à l'aide quoi? Un schéma de balle de revolver. Super utile. Coûte combien une balle de revolver à crafter? Est-ce que c'est plus rentable de craft avec cette chose là? Un lingot de métal, 6 poudres à canon. Je vais voir comment ça coûte une balle de revolver. Un lingot de métal, 6 poudres à canon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de nous donner ça? C'est-à-dire. C'est cool, mais c'est même pas plus rentable en fait. C'est-à-dire, pour une arme, ça la rend plus puissante, je veux bien. Mais le reste, j'en ai rien à péter quoi. Alors là, ça augmente le pouvoir de l'armure, ça augmente tout, tu vois, mais. Ouais. C'est étrange, c'est étrange. Retourner sur la montagne aussi, je vais aller loot la boîte là-bas. Putain, il n'y a pas de petit bénéf. Ça se trouve, j'aurais du loot plus intéressant là-dedans. Hein. Allez. Combien
mais tu vois, regarde, je me pose tout le temps, c'est terrible. Encore que les dinosaures ils fassent une Gotta Go Fast et qu'ils aillent à 700 km/h, tu vois, genre. On voit ça plus amusant que de devoir me reposer H24 et voler à ce rythme. Un battement d'aile par seconde. Le pteranodon est un animal lent. Il aime prendre son temps pour atteindre ses destinations. Il aime faire chier son maître parce qu'il n'a plus de stamina. Non mais à l'aide! C'est grave, j'irai plus vite en courant. Vitesse dino fois 2, ouais, j'espère bien, mon gars. Tu te fous de ma gueule. Mais putain. Mais punaise de punaise. Me voilà fort contrarié. Les balises ont tendance à disparaître devant mes yeux. Ce qui a tendance à me... Rouge, 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 rouge. Merci Nicolas de m'avoir follow. Je vais faire mes 15 ponts. 1, 2, 6. Je prends pas follow. Merci de ton follow, Nicolas. Je suis en train de galérer à éviter des carnivores en allant chercher du stuff. Dites-moi que celle-là va pas disparaître devant moi, parce que sinon ça va m'énerver un petit peu. Hey, on a de l'espoir. Elle est tombée, oui elle est tombée, donc il va falloir que je me dépêche. Pour la map, tu veux quoi? Je sais pas. On sait strictement rien. Pas, peut-être pas The Island, hein. Je suis pas. J'aimerais bien commencer sur une nouvelle map que je connais pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait sur cette map là, parce que je la connais et tout. Non, non, je peux pas faire ça. Si elle disparaît devant moi. Je la confirme, mais j'ai tête de lancer, ça fonctionne pas. Quoi? Non, 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 Genesis 2, c'est la dernière. Ah, on fait les trucs dans l'ordre. On fait. Il y a aberration, extinction déjà. Que personne ne rejoigne le serveur. Ah ouais, pourquoi? C'est pas bien. Pas bien, Genesis 2. Ah, je sais pas. Les gens ont pas aimé. Non mais à l'aide quoi. Quoi toi? Vous voulez quoi vous? Et je me casse. Ok, j'ai compris, les fourmis sont dangereuses. Même les fourmis sont une menace. Non mais c'est sérieux quoi, j'ai vraiment tenu un vieux plan pour une balle. C'est nul. C'est nul. Oh, oh, oh. Qualité des loot est nulle. Ok, pour qu'il répare le cerf, que là il se lance pas. Mais c'est aussi moyen d'en avoir un second pour avoir deux maps, du coup on pourra se taper d'une map à l'autre. Ouais, ok. On verra hein. On verra bien.
suis sûr si ça se lance pas, je veux dire... ça va poser quelques soucis. Et oui, ils servent en sueur. Ça, je vois pas que beaucoup de gens l'aient. Ah ouais? Je sais pas. Non, c'était F et... On va mettre un peu dans la santé, histoire qu'ils se prennent moins de mandales. Et les mandales l'envoient pas au tapis. Est-ce qu'on a d'amélioration du coup? Celle d'Allosaur. Ah, j'ai juste monté d'un level. Ok. On a du bleu par là, on a du blanc, je pense, je suis du blanc. On va aller jeter un oeil, mais c'est, je pense que c'est du blanc. Genesis 2, honnêtement, je crois que ma partie de test avant que je le stream, que je stream Ark, c'était sur Genesis 2. Et j'ai spawn, je suis mort. J'ai fait ah, d'accord. Un essaim de moustique vous a vu, vous êtes mort. Ok, à quand le room tour de ta base? Quand j'y retournerai, mais c'est pas une base, hein, c'est un tapis. Hein. C'est un tapis de salle. Étant donné que je suis en solo, j'avais pas l'inquiétude de me faire piller, donc... Oh, j'ai mis deux tapis par terre et j'ai dit c'est ma maison. C'est ma maison. Oh, le pire spot. Pire spot. Et là, des vieux stuff nuls. Super. Allez, on remonte. Tout en haut. La montagne aux stuff nuls. Allez, hop. On attend. Ah, là, complexe d'avoir une arme de bonne qualité. Attends, je vais aller voir sur internet sur les autres balises. Ok. Ok, alors. Ok. Ok. Je teste Argo. Bah, j'ai test, mais il n'y a pas de serveur. En fait, à chaque fois que j'ai cliqué sur le truc, il voulait pas me lancer une game. C'était un peu bizarre. Là, j'ai essayé, mais ça n'a rien donné de bien. Malheureusement. Ouais, il y avait plus personne sur le... Il y a personne qui joue au jeu en fait.
C'est pas possible, moi j'ai rien de tout ça. Là il me parle des loots des boîtes, et moi j'ai rien du tout de tout ça, c'est quoi ce délire? Chut. Ah, moi j'aurais bien aimé en avoir des flèches tranquillisantes, hein. Rien du tout, un bon acheté au chien, Ali, hein. Du coup, quand on passe au bleu là, à mon avis, il y a des armes. Il y a arbalète dans les bleus, il y a des piques, il y a des épées. Violet. Et quoi dans le violet? Des grenades. Je les ai pas vues, moi, hein, les shotguns et les long neck rifles. Je verrai quand je serai chez moi, il est peut-être mort après tout, je sais pas. Je l'ai téléchargé, donc... Et dans les rouges, qu'est-ce qu'on a? Un jaune, déjà. J'en ai ouvert des trucs jaunes et tout, et moi j'ai rien eu. Y a que du bleu. Du bleu et il est loin. Oh, vert, c'est pas assez high-tier, moi. De la qualité. La qualité est proche de là où je suis. Oui, très bien. Bon, du coup, je voulais aller voir aussi. Tac. Tac, 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 tac. Non. Pocraft, même sans avoir débloqué le truc. Bah ouais, je sais, mais genre... Non, c'est pas compliqué à obtenir. Dire un certain level, quand tu vas loot des caisses de ce level là, honnêtement, c'est que t'as le level pour crafter les items. Hein. On me dit qu'il y a un drop violet qui a pop là-bas, mais sérieux quoi. Il y a une mouche qui vole, elle me saoule. Fin de la chanson. C'est l'heure du petit verre de coca, non? Je crois bien. Attendant le repop. Du bon stuff. Ouais, une crête verte, super, super, hein. Super, super. Y'a pas qu'il y a pop par ici.
par cette verte là. Et tourner la tête vers moi. Ah. Allez. Ah bah super. Ah. Bon. On peut y aller. Ah ouais. Ah voilà, il veut bien. Peur d'Ali tacticien. Allez, hop. Alors. Tac. Et tac. Tac. Voilà. Ensuite. C'est vrai que je pourrais me faire un lit ici en fait. Des fibres. Attends. Faire un lit. Je vais plutôt faire un lit. Fibre, bois, pierre, silex. Ok. Faut un lit de bonne qualité, branchage, fibre, bois. Ok. Ce sera des caisses de stockage et tout, histoire d'être efficace. Dans le temps que le violet tombe, là, j'ai le temps d'aller récolter un peu. Non mais c'est sérieux. J'ai dit que ça m'énervait de ne pas pouvoir... que les améliorations que tu fais sur les dinos, c'est nul. Mais c'est nul. C'est nul. Regarde-moi ça. Il peut rien porter. Il peut rien porter. C'est grave. J'essaie de ramener juste du bois. À un moment, je demande pas grand-chose. C'est bien là. Merci. Il est vachement coton pour ramener ramener du stuff en haut. Hein. Je vais y aller à pied. Alors. Et en plus, ça, il veut rester avec moi. Ah oui. Relou. Relou. Ouais, relou. Salut Kage.
Je fais mon roule-roule, voilà. À me calmer. Bestiole qui est dissidente. J'aurais bien fait quand même. Caisse de stockage. Encore du bois, il me faut des fibres. Des fibres, je peux pas récupérer dans les buissons là. Ah si, voilà. Eh oh, reviens. Oh putain. Ah voilà. Le truc il va disparaître en plus. Comment ça va, Kaye? Allez hop. Voilà. Le cabanon, ouais ouais non mais. Système on strate hein. Voilà. C'est à ce point que je dois être. Ouais, ça augmente ton poids toi. Merci. J'ai transporté un peu plus de stuff, hein. Ça devient grave. Hein. Ouais, ça il faut absolument augmenter. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut changer matin, mais ça il faut absolument augmenter. Quand tu fais monter un niveau à ton dino, il faut absolument que ça monte de 20 et pas juste de 3 les améliorations. Et ça il y avait ça sur le serveur dans lequel on jouait. Ouais, c'est infaisable quoi, il est level 20 et il a toujours des stats nazes. Allez hop. Voilà, bon, déjà. Toi. 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 Voilà. Ensuite ça. 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 Et ça. Non, pas ça. Ah, voilà. Voilà, dans le cabanon. Lequel je regarderai. Ok, merci. De nos dinos des machines de guerre. Merci, un item intéressant. Ça fait plaisir. Exemple à l'appui, deux coups de griffe de Smilodon, la moitié de la vie du Pterodactyle en moins. Ça, c'est pas possible, quoi. C'est grave. Je veux dire, honnêtement, là, je vole avec une chips. Je vole sur une chips. Attends, un coup de dent de T-Rex et je suis par terre. Hein. Je le dis, hein. Avec une bestiole pareille. En danger. Je me sens en danger. Allez. On a un raptor du mal en bas. Si, bonne journée. Allez. On peut laisser le temps aux bestioles de faire leurs bêtises. Du coup, on a obtenu pour mettre quoi sur les pistoles, les shotguns, les snipers, les long tech rifles. Ça va être très utile pour l'instant, mais c'est mieux que les autres saletés qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, je pardonne clairement. Le fait d'avoir retiré le méta dans l'inventaire, ça lui donne quand même un peu plus de stam.
Mais bon, ne réglant rien le problème. Donc, faudra qu'on le fasse. Ah, c'est jaune. Je vais chercher le violet, puis après, je fais demi-tour pour aller chercher le jaune. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai le temps. Tant que le jaune y tombe. Et j'ai le temps, j'ai large le temps. Oh, j'ai froid. Plus lourd égale plus de stam utilisé. Ouais, ouais. Clairement. Je veux pas dire que j'accepte le fait que le dino reste à 200 de stam, quoi. Non, je les ai baissés, hein. Je les ai baissés. Hein. La consommation de la stamina des dinos, je l'ai divisé par 10. Hein. Truc comme ça. Je te raconte pas ce que c'était avant. Hein. C'était littéralement, tu fais une pause toutes les 2 secondes. Pterodactyle, il reste au sol, en fait. Il est claqué au sol. Je vais mettre une barrière. Je suis mort. Petite barrière en métal là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah t'es pas sur ma montagne, hein. Eh oh. Eh eh oh oh. Tu nous fais là. Eh oh, Pterodactylus là. Non mais. Au secours. C'est pas possible. En train de se battre juste à côté de moi. Et il y a mon pterodactyle qui est bloqué. En bas, ça se fight aussi. Non mais à l'aide. Mais à l'aide. Merci. Oh, yeah, c'est complexe, hein. Oh, sale bête. Alors, tac. Ah, c'est un schéma en plus. Oh, vas-y, dégage, dégage, dégage et voilà. Voilà, voilà, tout belle. Allez, on va espérer aussi de pouvoir aller récupérer le jaune là. Avec un peu slash beaucoup de chance. On devrait s'en sortir. Allez hop, on se pose. Enfin, s'il disparaît devant moi encore une fois, je vais encore pleurer. Nombre de finis violents que j'ai perdu à cause de ce bug. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vraiment relou, hein. Voilà, c'est vraiment grave. Grave énervant. Ah, j'ai perdu mon chausson. Non, reviens. Voilà, c'est bon. Je vais me faire croquer par un scorpion.
Je vais encore pleurer. Il y a des chats à côté. Ok. Il y a un carno truc muche. Non, non. Pose-toi là. Mais. Ah ouais. Merci. Non mais. Ah. Bonjour. Nous gardons ce drop. À l'aide. C'est littéralement ce qu'il est en train de me dire là. Hein. Bonjour, 3 raptors, un carno, 25 chats, 2 scorpions. Un T-Rex qui se ramène par là-bas. Allez, tranquille, comme si ça suffisait pas. C'est si paisible. Et si je vais là-bas, ça va être tellement moins paisible. Mais Osco, ils sont en train de se frotter à la... En train de se frotter à la balise. On pourrait pas juste trouver une personne, un monstre à attaquer ou un truc comme ça, je m'en fiche. Trouver quelqu'un à attaquer, que je puisse récupérer. Avant que ce soit trop tard. Il va disparaître. Je te dégoûte. Il y a le T-Rex à côté en plus, quoi. À l'aide. Je peux pas dégager de la balise. À deux, c'est plus simple les drops. Ouais, il y en a un qui attire. Non, mais c'est le T-Rex, c'est là. Ah, oh, il mange les chats. Il mange les chats. Ah là la punaise, c'était quelque chose là. Hein. Est-ce que ma tension était, vous avez senti ma tension là? Un petit peu là. Hein. Là j'ai tellement tenté le diable là. J'ai senti un petit peu crier hein, le beau bébé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Je sens pas ce pack. Palpable, tant mieux. Tant mieux, oh punaise. Tu sais, il a fait son vieux cri là, le T-Rex. Oh, j'ai tellement cru. J'ai cru que j'avais enfin une arme. Je suis dégoûté. Oh, j'y ai tellement cru, non. Ah non. Il y a rien d'autre, il y a du bleu mais bon. C'est juste un vieux schéma. Un vieux schéma tout naze. Encore me casser la figure. Un point. Craft le, ouais, mais bon.
Oui, très bien. Allez, on monte. On escalade même la roche, nous. Like. Et voilà, de retour au box. Non, je vois les lumières des autres drops. Non. Hop. Du coup, j'ai eu ça. Oh, j'en ai rien à faire. Ça, par contre, c'est pas mal. On est pas mal. J'ai moyen de me crafter une petite torche. Des fois. Des fois un petit peu. Bois pierre silex. Qu'est-ce qu'il me faut? J'ai pas de bois. J'ai tout balancé. Yes. Ouais, j'ai pas de bois dans le coin. Dommage. Il y a du gelé tout autour, hein, mais il est un peu loin. Honnêtement, ça ne vaut pas. Je suis sûr que ça vaille la peine de se déplacer pour aller chercher. Attends, tiens, un rouge ou un jaune qui pop dans le coin, et puis là, ça vaudra un peu plus la peine. Ah. Bien joué. Être en vie t'a fait gagner un niveau. Allez, 130. D'autres que bleu qui repop. Je vais aller chercher le bleu là en bas de la montagne. Les autres sont un peu loin à mon goût. On regarde par là-bas, il y a Kupwick. On va juste attendre que le bleu là soit tombé et puis voilà. Je vais le chercher. Violet là-bas, violet là-bas, violet là-bas, nuage devant. Ouais, c'est le dernier et puis après, swap de jeu pour aller sur je sais pas quoi. Je vais aller voir les sorties animées en même temps, attendant que le bleu il soit tombé, j'ai le temps. Hein. Alors, nous avons... Il n'y a probablement rien, vu que c'est sorti tard cette nuit. Ça m'étonnerait qu'une chose intéressante...
Et... Il n'y a que Pouic. Que Pouic pour aller. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, je devrais être bon. Vie. Encore augmenter notre vie. On va voir ce que j'ai obtenu. Tourelle automatique. Eh ben. Sacré truc là. Labo de chimiste. C'est ça le sniper. C'est un lance-roquette. Il y a des choses hein. Dans les levels loin. C'est quoi ça? Une antenne? Qu'est-ce que c'est que ça? Plein de tourelles. Pour quel level ça? Quoi ça? Allez. Allez, jeter un pack bleu là-haut. Que je veux. Allez. Oui, moi. Vite arrivé que reparti. Par contre, mon perso a faim. Ça va être problématique. Pas de feu de camp. Il me reste encore de la nourriture. Non, j'ai presque plus rien. Je vais mettre ça dans le coffre à loot. Pushio. The coffre à loot. Voilà. Oh, j'ai pas mal de cristal ici, c'est ça qui est cool. On va me faire un petit stock si jamais je retourne à la base. À la fin, des trucs comme ça, les machines, c'est ça, il faut des drops chelous comme ce que dropper les dinomeka. Ah, ok. Ok, je vois. Ah, c'est vrai que les dinomeka, ils dropent des trucs. Ouais, t'as raison. Maintenant que j'y pense. Les dinomeka dropper des trucs. Plein de métal. Hop. Ça pèse supra lourd. Allez. Hop. Il y a une map où quand tu décris la déco, tu récupères le même drop. De quoi? La déco de quoi? De la... Tu veux dire genre les murs, tu les récupères en les détruisant, c'est ça?
Des bancs et tout sur aberration, d'accord. Ok. Tac tac tac. Tac et tac. Attendant que l'arc charge bien, hein, je passe sur Alchemy. Mais juste sur le portable, hein, je suis pas. Je vais pas ouvrir BlueStack, ça me prendrait trop de temps. J'ai la grosse flemme. En fait, conseil mat, je vous conseille de vraiment poncer les le shop de l'event de d'Alchemy. Hein. Ça vaut vraiment le coup. Hein. Du coup, attends. Là, je dis pas ça. C'est-à-dire ça randomly et sans expliquer pourquoi. 15 x 4, 60. Je sais pas si. Merci Timéo pour le follow. Je sais pas si tu vois. Attends, je vais faire mes pompes en même temps. Je fais 15 pompes par follow. C'est tes pompes, Timéo. Je fais les pompes pour toi. Il y a un truc dans le shop qui s'appelle les Blue Order Box de tier 3. Et ça te donne un item d'ascension de tier 3, c'est-à-dire les trucs qui coûtent super cher à craft. Et tu peux en avoir jusqu'à 60 pour un prix vraiment ridicule. Donc, je te conseille de les acheter. Et 15. Oh là là. Ah, c'était les pompes de trop. Je suis bloqué à cause des drops. Des drops de quoi? Des drops de quoi? Ah, du coup ça dégage. Hop. Du coup. J'espère que tu vas bien, Timéo. Par contre, du coup, j'ai plus de stam. C'est que des bleus. Non. Attends. Des bleus. Nanana. Ouais bah c'est ce que je dis, ça te permet de craft les violets. Et ben quoi? Ya Eves Insa, il t'en fait quoi? Moi j'ai eu Sinsa deux fois, hein, alors viens pas te plaindre. Hein. J'ai celui que je voulais pas. Aistero, désolé si je suis appelé, vous pouvez faire ça. Bah fais ta pub, mais je pense pas que tu vas recevoir beaucoup de follow grâce à moi. Je veux dire, je vais pas te reprocher de faire ta pub, je veux dire tous les moyens sont bons, mais c'est pas comme ça que. Je pense pas que tu vas gagner plus d'un follow, parce que même moi j'ai pas spécialement envie de follow, tu vois. Je veux dire,
Après voilà, en plus ça tu t'as demandé, tu t'es excusé, donc je vais pas te le reprocher. Non, si tu peux, il vient de débuter, il fait du arc. Ouais, ok. Bah tu fais bien de venir demander, je veux dire. Après moi j'ai pas de grands fans de arc sur moi, je veux dire là moi j'y joue juste en mode chill, donc je cherche pas spécialement à. Je cherche pas spécialement de tryharder du jeu. Ouais, c'est les violets car je suis bloqué au 8-14. Non mais mec, le 8-14 c'est le dernier level hein. Le 8-14 c'est le dernier level, tu peux pas les. Y'a pas de level régulier où tu peux le drop les trucs violets comme tu veux. Y en a pas hein, c'est le dernier level de l'histoire. Attends, bah du coup j'avais dit que je switcherais. On va partir faire un peu de Apex. Tac. Okay.